Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma collection de sacs. Alors c'est une demande que j'ai vue quelques fois apparaître parmi vos commentaires, vous vouliez voir un petit peu ma collection de sacs, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous partager mes sacs de luxe ainsi que mes sacs premium haut de gamme. On va pas parler des petits sacs d'été en paille etc, c'est vraiment que des sacs en cuir. J'en ai 10 à vous présenter, donc sans plus tarder on va commencer tout de suite. C'est parti. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous les présenter en fait par ordre d'acquisition, donc de mon plus vieux sac jusqu'à mon plus récent. Et alors mon plus vieux, c'est un sac qui vient de chez McDouglas. Et alors c'est ce modèle-ci, c'est un modèle qui est assez connu. Je sais pas s'il existe encore, mais je pense que oui, c'est le modèle Pila, donc de chez McDouglas. Celui-ci, il a une grande valeur sentimentale tout simplement parce que c'est le sac que j'emmenais tous les jours en cours quand j'étais en master. Donc il y a énormément de bons souvenirs qui sont rattachés à ce sac et je l'aime beaucoup malgré le fait que je ne le porte plus du tout aujourd'hui. C'est vrai que vous allez voir que j'utilise plus en fait de grands formats comme ça. Je préfère vraiment des petits formats portés en bandoulière et celui-ci c'est vrai qu'il est très lourd et il est très grand, donc il était parfait pour mettre tous mes cours à l'intérieur, mon ordinateur etc, pour aller en cours. Mais c'est vrai que pour une utilisation comme j'en ai aujourd'hui, c'est plus le genre de sac qui me plaît. D'ailleurs il a vécu hein, il est quand même assez abîmé, bien que je trouve que pour l'avoir porté non-stop tous les jours pendant plus de 2 ans, il est plutôt en bon état. C'était un cuir grainé celui-ci. Et au niveau de la couleur, c'est vrai que j'étais partie sur un orange. Le orange, c'est une de mes couleurs préférées. Et j'avoue que sur un accessoire, j'adore jouer la couleur. Vous allez voir que j'en ai d'autres, des sacs très colorés. C'est vrai que ce orange-là, c'est un très beau orange. C'est un sac qui me rappelle beaucoup en fait un sac Hermès. Il ressemble quand même pas mal. Donc voilà pour l'histoire de ce petit sac-là qui a du coup une grande valeur sentimentale pour moi. Ensuite pour le deuxième sac, il s'agit aussi d'un sac avec une grande valeur sentimentale pour moi, c'est un sac Chloé. Celui-ci il a une histoire parce qu'en fait j'ai fait mon stage de fin d'études dans la maison Chloé. J'étais assistante chef de produit à la maroquinerie. En fait ce qui se passait c'est qu'on avait le droit de tester un sac au quotidien, c'est ce qu'on appelait les tests au porté. Et en fait quand je suis arrivée en stage quelques jours ou quelques semaines après mon arrivée, on m'a proposé du coup de porter un sac de la maison et parmi les propositions il y avait ce sac là, donc ce modèle là c'est le Curtis. C'est un sac qui n'a pas eu énormément de succès, qu'ils n'ont pas gardé très longtemps et qui n'existe plus du tout, mais à l'époque du coup il venait de sortir ou il allait sortir. Et on m'a proposé du coup de l'essayer et ce sac là je l'ai porté tous les jours durant mes 6 mois de stage. C'était mon sac de tous les jours, tellement que rien qu'à l'idée de savoir que je devais le rendre à la fin de mon stage, j'étais extrêmement triste. Et au final ce qui s'est passé c'est que j'ai pu le garder, donc ça a été un de mes cadeaux de fin de stage. Donc j'étais très très contente de pouvoir le garder et je l'ai porté non-stop celui-ci vraiment toute l'année 2016. C'était mon sac chouchou. Donc c'est un sac qui est en fait en bimatière, donc il a un rabat ici en Suède mais tout le reste est en cuir et en fait il a des pièces métalliques ici sur le dessous. Et en fait vous voyez il est en deux parties comme ça, donc c'est deux grandes poches. Donc il est très grand, on peut mettre beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur. Donc il y a une première poche ici à l'avant sous le rabat et au dos on a une grande poche zippée qui est exactement en fait la même que celle qui est à l'avant. Donc c'est vraiment un sac où on peut mettre énormément de choses dedans. Il a une longue bandoulière comme ceci et sa petite particularité c'est le petit anneau ici qui est devant avec le lien en cuir. Le mien était un petit peu cassé, il était déjà quand on me l'a prêté au tout début, en fait la médaille ici elle tourne un petit peu et ça a tendance à se décrocher, donc il faut faire attention sur le mien. Mais voilà, en tout cas si ce modèle vous plaît et qu'il vous intéresse, il me semble qu'il n'est plus du tout vendu par la maison Chloé, donc le seul moyen de le trouver ça va être en seconde main. Je vous mettrai de toute façon tous les noms des modèles dont je vous parle aujourd'hui, même si c'est des vieux modèles qui ne sont plus trouvables, tout sera en barre d'infos. Mais je répète le nom de celui-ci, c'est le Curtis. Donc c'est un sac que je ne porte plus du tout, c'est plus du tout mon style, mais je le garde tout comme le McDouglas précédemment parce que c'est des sacs qui ont des grandes valeurs sentimentales à mes yeux et je ne peux pas m'en séparer par rapport à ça en fait, tout simplement. Troisième sac, et c'est un sac Sibai Chloé et c'est le modèle qui s'appelle Lois. Pareil, je crois qu'il n'existe plus, c'est des modèles qui sont assez vieux et que moi j'ai dans un joli coloris prune comme ça avec
une chaîne dorée. Il y a une ouverture un petit peu comme une serrure ici à l'avant qu'on tourne comme ceci et qu'on ouvre comme ça. C'est un sac sinon assez simple, assez souple aussi. Vous voyez que le cuir est très souple. Du coup, c'est vrai qu'il se tient pas très très bien, même si j'essaye toujours de rembourrer mes sacs quand je ne les utilise pas. C'est vrai que celui-ci, il a un peu du mal à garder sa structure. Celui-ci, c'est également un sac que j'ai eu en cadeau en fait à la fin de mon stage chez Chloé. Donc c'est pareil, c'est un sac qui a une grande valeur sentimentale. C'est un sac sur lequel j'avais flashé parce que j'ai travaillé dessus pendant 6 mois. Et du coup, je le voulais absolument. Mon équipe était absolument adorable. Ils me l'ont glissé également dans mes cadeaux, en fait, tout simplement, de départ. Donc voilà pour celui-ci, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est pareil, c'est un sac que j'ai pas porté depuis longtemps. C'est une couleur aussi assez hivernale, donc quand je le sors c'est uniquement en hiver. Au niveau de l'intérieur il est très simple, il y a en fait juste une petite fermeture éclair ici à l'intérieur et une petite poche à ce niveau-là. Il y a également une petite médaille ici sur la chaîne avec une petite clé. C'est vrai que les métalleries sur ce sac-là sont quand même assez abîmées. Au niveau de l'ouverture ici à l'avant, c'est vrai qu'il y a pas mal de doré qui est parti. Également la chaîne est pas mal noircie. Après c'est un sac qui n'était pas neuf quand je l'ai eu. C'était un sac qu'on utilisait pour tout ce qui était shooting, pour tout ce qui était relations presse, etc. Donc c'est un sac qui a pas mal voyagé, il n'était pas du tout neuf. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est quand même un petit peu abîmé. Donc voilà pour celui-là. Le quatrième, c'est encore une fois un sac Chloé que pareil j'ai eu pendant mon stage, mais celui-ci il a une histoire un petit peu différente. Et c'est un des modèles iconiques de la maison, c'est le Drew. Donc c'est un sac qui est voilà, très très connu de la maison Chloé, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui je trouve, qui a un petit peu disparu. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je l'ai acheté celui-là, il était vraiment sur tout le monde, on le voyait absolument partout. Au niveau de la taille, je me souviens plus, mais je crois que c'est un petit modèle, c'est pas le modèle médium qui est un petit peu plus grand. Celui-ci, il est quand même assez petit, mais c'est pas non plus le plus petit. En fait, il y a énormément de tailles sur ce sac-là et c'est à peu près une taille moyenne, petite, je dirais. J'ai une métallerie dorée sur le mien et au niveau de la couleur, on est sur un jaune poussin. Et un peu le même système en fait que le Saxy by Chloé d'avant. On a une fermeture assez spéciale où on enlève en fait le petit loquet, on tourne et puis on ouvre le sac. C'est un sac qui est assez petit à l'intérieur, on peut pas mettre grand chose dans ce sac là. Mais celui-ci c'est vraiment un sac que j'adore, c'est un sac que je ressors vraiment tous les étés avec plaisir. Et la petite histoire de celui-ci en fait c'est que j'ai pu l'acheter en vente privée au personnel. C'est un petit peu le secret le mieux gardé finalement du personnel des maisons de luxe. Ce qui se passe c'est que en général dans toutes les maisons de luxe on a des ventes privées au personnel, donc des ventes qui sont réservées au personnel, qui ont lieu plusieurs fois par an. Par exemple chez Chloé, donc je suis restée 6 mois et j'ai eu 2 ventes au personnel, donc il y en a une à peu près tous les 3 mois. Ce sont en fait des pièces qui sont soit des invendus de boutique, donc des vieilles collections où il reste des pièces, et plutôt que de les détruire, eh bien on les vend au personnel à des prix qui sont vraiment très bas par rapport au prix du marché. Ou alors ce sont des pièces qui sont un petit peu abîmées et qui ne peuvent pas être vendues, mais c'est vraiment l'événement à chaque fois, c'est l'occasion en fait d'acheter des pièces de la maison pour laquelle on travaille à des prix qui sont vraiment très intéressants. Et en l'occurrence chez Chloé, ce qui se passait c'est que c'était sur une journée, donc tous les 3 mois comme je vous le disais, et en fait c'était par créneau horaire, donc plus vous aviez de l'ancienneté dans la maison et plus vous pouvez y aller en début de journée finalement. Et puis nous stagiaires on avait le dernier créneau de la journée, donc évidemment il restait pas grand chose, bien que il y avait quand même des stocks qui étaient remis tout au long de la journée. Et donc celui-ci je l'ai eu en fait à la deuxième vente, donc juste avant de terminer mon stage, une semaine ou deux avant de terminer mon stage. Et en fait c'était vraiment le modèle que je voulais. Je voulais absolument un Drew et du coup il n'y en avait pas du tout à la première vente et il y en avait à la deuxième. Il y avait plusieurs coloris, il y avait plusieurs types de cuir également, et c'est vrai que j'hésitais beaucoup avec un autre, mais au final j'ai craqué pour celui-ci et je ne l'ai absolument jamais regretté. J'ai adoré ce sac et je l'adore toujours autant malgré sa couleur, parce que c'est vrai qu'on peut croire que un sac jaune comme ça c'est difficile à porter, et je trouve que finalement pas du tout, avec un simple jean et une jolie petite blouse blanche, ou même vous voyez que la robe que je porte, ça rapporte en fait une touche de couleur supplémentaire. C'est vraiment un sac qui étonnamment va avec énormément de choses et qui crée vraiment le printemps et l'été. Donc c'est un sac que j'adore. Et je pense que je m'en séparerai jamais non plus de celui-ci, je l'aime beaucoup trop. Ensuite j'ai un sac de la marque Lancaster, c'est un modèle seau assez classique, assez simple, dans un cuir lisse.
et de coloris camel. C'est un modèle qu'ils font toujours, mais malheureusement ils ne font plus cette couleur-ci. Il est resserré à ce niveau-là, ce qui fait en fait ce joli effet un petit peu fleur sur le dessus que j'aime beaucoup. Et donc pour l'ouvrir, on desserre un petit peu les liens. Et c'est un sac qui est assez grand. Il y avait également une petite pochette avec, donc qui est attachée comme ça au sac, ce qui est très très sympa. Et c'est un sac en fait qui n'est pas doublé, c'est qu'une seule et même peau. Du coup on a en fait le revers du cuir ici à l'intérieur. Il a une bandoulière qui est assez longue, c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce sac et c'est la raison pour laquelle c'est un sac que je ne porte pas très souvent non plus, parce qu'en fait je trouve que la hanse est beaucoup trop longue et pourtant je l'ai resserré vraiment au maximum et c'est juste dommage en fait qu'il n'y ait pas une mini hanse pour pouvoir le porter également au creux du bras. Ça c'est un sac que j'avais reçu pour mon anniversaire, je ne sais plus lequel, mais en tout cas c'est un sac que j'ai beaucoup aimé porter également quand je l'ai eu. Et l'année qui a suivi, c'est vrai qu'il n'y a aucune marque sur ce sac, il est vraiment comme neuf pour le coup, malgré le fait que ce soit un cuir lisse. Je trouve que c'est un cuir qui est quand même très robuste et qui ne bouge vraiment pas. Après il faut savoir que je prends extrêmement soin aussi de mes sacs, je ne les pose jamais par terre, je les pose toujours soit sur une table, soit sur une chaise au bureau, ils sont sur mon bureau, jamais par terre. Et pareil dans le métro etc, je fais toujours attention, je les porte vraiment près de moi pour essayer de ne pas les frotter en fait contre les murs ou contre d'autres personnes. Donc je fais très très attention à mes affaires. Quand ils sont chez moi, je les range toujours dans leur dust bag. D'ailleurs ça c'est vraiment un très bon conseil, gardez toujours les dust bags, ils sont faits pour ça, ils sont faits vraiment pour stocker vos sacs. Et je les rembourre aussi également toujours soit avec du papier journal, soit avec des petites pochettes avec de l'air à l'intérieur. Ça permet en fait de garder aussi la forme du sac. Et je les range comme ça dans mon dressing et c'est la meilleure façon en fait de les garder le plus longtemps possible en bon état. Ensuite j'ai un autre modèle coloré, celui-ci il est un petit peu corail rosé, c'est une très jolie couleur, c'est un modèle Furla. Je ne me souviens plus exactement du nom celui-ci, je vous le mettrai ici s'il existe toujours, je suis pas sûre qu'il existe toujours. C'est pareil, c'est un modèle qu'on voyait beaucoup à l'époque où je l'ai acheté, on le voyait partout dans le métro, dans Paris. Actuellement c'est plus vraiment le cas, c'est plus le genre de modèle qu'on voit. Celui-ci j'avais acheté à New York dans un Century 21, donc c'est un magasin d'usine un petit peu, ou un magasin en tout cas où on trouve des modèles comme ça neufs d'anciennes collections à des prix du coup plus bas. Celui-ci en fait il s'ouvre en pinçant ici les ouvertures. C'est pareil, c'est vraiment un petit modèle, on met pas grand chose dedans. Ce que je vous disais tout à l'heure pour rembourrer mes sacs, j'utilise ce genre de petites choses aussi qu'on a souvent dans des colis par exemple. Je les garde et je les mets à l'intérieur de mes sacs pour qu'ils gardent en fait tout simplement leur forme. Donc celui-ci il a une chaîne dorée aussi, donc il est fait en fait pour être porté en bandoulière et c'est un tout petit modèle très pratique et j'adore en fait surtout sa couleur, il est vraiment parfait pour le printemps et pour l'été, il serait par exemple parfait avec cette robe là également. Donc voilà pour celui-ci. Petit conseil également, quand vous rangez vos sacs comme ça, rentrez les chaînes à l'intérieur du sac, ça évitera en fait que la chaîne frotte contre le cuir et abîme le cuir. Ensuite on en arrive au sac le plus précieux de ma collection, vraiment le bijou pour le coup de ma collection, qui est mon sac Chanel. Celui-ci c'est le modèle iconique de la maison Chanel, c'est le Timeless, le modèle le plus classique que vous puissiez trouver chez eux. La taille c'est la taille classique également. Au niveau du cuir, moi je l'ai en cuir lisse, c'est un cuir d'agneau. Et j'ai les bézaleries qui sont dorées. Je pense que c'est un sac que vous connaissez. On a une petite ouverture ici à l'avant. Quand on ouvre, en fait, on a un deuxième rabat à ce niveau-ci. Et à l'intérieur, il est entièrement prune comme ça, avec un petit emplacement pour le rouge à lèvres. C'est un sac qui, évidemment, est magnifique. Et qui est clairement le plus beau sac de ma collection, ainsi que celui qui a le plus de valeur. Et d'ailleurs, son prix n'arrête pas d'augmenter d'année en année, ça devient vraiment ridicule. Et c'est un sac que, pareil, j'ai eu dans des conditions assez spéciales, parce qu'en fait, c'est un sac, tout comme le sac Chloé dont je vous parlais précédemment, que j'ai eu en vente privée au personnel. Aussi, donc moi comme je vous le disais, je l'ai en cuir lisse tout simplement parce que vous l'aurez compris, j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai pris le sac que j'ai réussi à avoir. Si j'avais eu le choix, je l'aurais choisi en cuir grainé parce que c'est vrai que c'est un cuir qui est quand même très fragile celui-là. Puis comme je vous le disais, évidemment il était à des ventes privées, donc il y avait bien une raison à ça. Et la raison c'est qu'il était déjà un petit peu abîmé, donc on voit un petit peu à ce niveau-là, le cuir est légèrement
plissé, mais honnêtement c'est à l'intérieur du sac, il y a quelques marques aussi sur le rabat. Honnêtement ça m'est complètement égal, sachant qu'en plus de l'extérieur il est totalement neuf. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement le cuir lisse est beaucoup plus fragile que le cuir grainé. Donc moi je vous conseillerais plutôt d'aller sur le cuir grainé sur ce genre de modèle, parce que là c'est vrai qu'à la moindre griffure il marque. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir, surtout quand on met autant d'argent dans un sac comme celui-ci. Il vaut mieux choisir quand même le cuir qui est un petit peu plus durable. Voilà pour celui-ci, mon petit chouchou, mon préféré, celui que je vais chérir toute ma vie. Ensuite on retourne chez Chloé avec celui-ci. Celui-ci je vous l'ai déjà montré, je vous ai d'ailleurs fait toute une vidéo en fait sur ce sac là quand je l'ai acheté. C'est un sac que j'ai acheté en seconde main, celui-ci, sur Vinted. Et c'est le modèle qui s'appelle Tess en couleur nude. C'est une couleur qui est très difficile à trouver malheureusement puisqu'elle a été discontinuée. Et du coup j'ai eu énormément de mal à trouver ce sac. Je le voulais absolument et je l'ai cherché pendant presque un an sur toutes les plateformes de seconde main jusqu'à finalement le trouver sur Vinted. C'est un modèle que je pense que vous connaissez, c'est un modèle qu'on voyait beaucoup les dernières années, on le voit un petit peu moins depuis l'année dernière, mais moi c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc pareil, il est en cuir lisse. À l'intérieur il est quand même assez grand pour un petit modèle de sac comme ceci. On a une petite poche ici à l'avant et puis on a une bandoulière courte ainsi qu'une bandoulière longue. Si vous voulez plus de détails sur ce sac là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur ce sac-ci. Je vous détaille tout, le cuir, la couleur, le prix, etc. Ainsi que quelques petits conseils pour acheter des sacs de luxe comme ça de seconde main. Mais celui-ci il est comme neuf, il n'y a quasiment aucune trace d'usure dessus et je l'adore. C'est un de mes sacs préférés et un des sacs que je porte le plus. Mais c'est vrai que là je l'ai rangé pour le printemps-été, je le ressortirai pour l'automne tout simplement parce que je trouve que la couleur elle est beaucoup plus adaptée à une saison automne-hiver. Mais voilà pour celui-ci, vraiment je l'adore et je trouve qu'il est de très bonne qualité, il est très lourd également et je l'aime beaucoup. Ensuite et avant-dernier modèle, c'est mon sac Coach. Pareil, celui-ci vous l'avez déjà vu de nombreuses fois parce que je l'utilise très souvent dans mes vidéos. Et parce que pareil, je vous ai fait toute une vidéo sur ce sac-là quand je l'ai acheté. Donc je vous la laisserai pareil en haut si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Mais c'est le modèle Tabby 26, donc de la marque Coach, que moi j'ai en couleur craie. Je pense que celui-ci vous l'avez vu partout également sur les réseaux sociaux. C'est un sac qui est très populaire et vraiment je comprends totalement pourquoi. Moi c'est un de mes modèles préférés, c'est un des modèles que je porte le plus. Je trouve qu'il fonctionne toute l'année, que ce soit au printemps et été comme en automne et en hiver. C'est vraiment un sac que j'adore. On a en fait un aimant ici sous le C et puis une petite poche à l'avant ainsi que des grosses poches ici à l'intérieur. Une bandoulière courte ainsi qu'une bandoulière longue, ce qui permet en fait de le porter comme ça dans le creux du bras ou alors à l'épaule, mais également en bandoulière croisée. J'aime beaucoup d'ailleurs les sacs qui ont deux bandoulières comme ça. Je trouve que c'est les sacs qui sont les plus versatiles. On peut vraiment porter de plein de façons différentes. Je trouve que celui-ci il a ce côté un petit peu rétro qui est très sympa aussi, avec sa métallerie un petit peu passée. C'est un doré un peu passé, c'est pas un doré clinquant. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que comparé à d'autres sacs que j'ai pu vous montrer avant, celui-ci il a vraiment une structure, il tient vraiment. Je le rembourre quand même, mais c'est vrai que vous voyez il ne bouge absolument pas, le cuir est très rigide en fait, ce qui fait qu'il garde vraiment sa structure peu importe ce qu'on met dedans. Et ça c'est quand même appréciable également. Et alors le dernier c'est pareil, c'est un sac que je vous ai déjà montré plein de fois, c'est mon sac Léo et Violette, qui est le modèle Dahlia, donc qui est en collaboration avec Wendy Swan, qui est vraiment un bijou celui-ci, il est vraiment très très beau. Et je l'ai dans le coloris taupe. Donc pareil, on a un petit loquet ici à l'avant qu'on ouvre comme ceci. À l'intérieur on a une double poche comme cela et puis on a donc une petite bandoulière et une bandoulière longue, sachant que la petite bandoulière elle est en option. Vous pouvez en fait la rajouter mais elle n'est pas comprise dans le sac de base. Le sac de base est uniquement composé de la grande bandoulière. Pareil pour celui-ci, je ne vais pas en parler longuement tout simplement parce que j'ai toute une vidéo sur ce sac là. Donc je vous la laisserai ici en haut si elle vous intéresse et si la marque Léo et Violette vous intéresse, je vous invite grandement à aller voir cette vidéo parce que je parle vraiment de la marque ainsi que de la qualité du cuir qui est exceptionnelle pour le prix de ce sac. Donc voilà, si vous cherchez un sac avec un excellent rapport qualité-prix d'une jolie marque française, Léo et Violette c'est une très très belle marque et donc je vous laisse la vidéo en haut. Mais ce que j'aime avec ce sac là, c'est vraiment un modèle qui est intemporel, qui est très simple, qui est très chic également et qui marche aussi en toute saison. On peut très bien le porter en automne-hiver comme au printemps et en été. C'est un de mes chouchous honnêtement et j'en suis absolument ravie de celui-ci.
Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé ma collection de sacs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel a été votre modèle préféré et aussi quel est vous votre modèle préféré de votre collection personnelle. Si je dois parler prochaine acquisition, j'ai des sacs pollen en vue. J'ai plusieurs modèles qui me plaisent énormément et ce sera clairement mon prochain achat. Dites-moi aussi si vous avez des modèles de sacs sur votre wishlist, des sacs dont vous rêvez. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir davantage de vidéos de ma part. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !